Ouf, il est fou ce fou là. Putain. Il veut que je te ramène à mon rendez-vous pour me forcer à te buter toi. Et après, il me fait de moi sa pute. Il est fou. Hein, qu'il est fou. Oh non, Boudizi, t'as encore des problèmes. Ouais, je dis à ton ref d'arrêter de faire des prods là sur Audacity. Ouais, il prend toute la connexion de la maison là. Parce que elle, frère de Yalou, il fait des prods. Il est trop fort, son frère, il est trop. Il fait des sons comme Daft Punk en fait. Il fait des sons, il fait de l'électro et tout, je trouve ça trop stylé ce qu'il fait. Non, je vais pas prendre. Je vais pas prendre. Oh, j'ai une dinguerie à faire. J'ai une dinguerie à faire, sa mère. Vous avez raison pour période. J'ai juré, vous avez raison pour période. Non, bah vas-y, hey, j'ai la haine parce que je vais prendre période. Vous allez lui dire sur son chat, il est nouveau dans le RP, il va pas savoir bien jouer. Srud? Ouais. J'ai eu un appel de Balthazar là, j'ai décroché. Ouais. Là, je suis avec Boudizi. Y a pas. Ah, attends, je te rappelle, y a pas de réseau, ça coupe là. Vas-y, vas-y. C'est toi qui bug Billy, tout le monde entend. Attendez, bah je déco, je recours. Attendez. Je déco, je recours. Il y a moyen que ce soit moi. Eh, s'il vous plaît, les refs, par pitié, je vous demande juste un truc. Un seul truc. Vous kiffez les lives GTA, vous me kiffez. Je vous kiffe aussi, s'il vous plaît. Allez pas poucave sur le chat d'autres streamers parce qu'après, je ne peux rien faire. J'ai envie de faire des masterclass, mais si à chaque fois ça poucave. Attention, Billy, il va faire ça, n'y va pas, tu vas mourir. Il se passe rien, jamais rien. La personne, elle répondra même pas à l'appel. Si elle répond à l'appel, elle va prétexter qu'elle sera énervée contre moi pour pas venir au rendez-vous. Bref, il se passera toujours un truc, tu vois. S'il vous plaît, n'allez pas poucave, je vous demande que ça, s'il vous plaît. Aline, je t'aime, Billy organise nous un mariage et je t'aime aussi Billy, ça c'est secret. Aïe aïe aïe, c'est mignon. Hakim, Aline et Hakim, très très beau couple. Je sais pas quoi vous ressemblez, mais ça se voit, vos enfants ils vont être tout jdid. Tout le monde se tait. Merci beaucoup. Eh les refs, de toute façon, s'il y en a un de mon live qui part parler sur le chat, c'est Bandef. Même s'il arrivera à Poucave au final, ça restera un Bandef. Mais bon, vas-y, bref. Attendez, je vais mettre le jeu. Ok. J'en ai vu plein dire arme-toi, il a un plan si vous voulez. Voilà, ça me fait chier, voilà, ça y est, c'est fini, ça y est, c'est fini, voilà. Ça me casse les couilles, putain. Les refs, je comprends pas. Vous voulez qu'on fasse du beau RP, du beau jeu, des belles scènes, vous allez tout poucave à tout le monde. Moi, vous me balancez tout, lui, eux, vous leur balancez tout, ce que je comprends pas, ça casse les couilles. Ça casse les couilles, cousin. Ça y est, je le prends pas maintenant. Alors je voulais le prendre. Ça y est, je le prends pas. Voilà. Enfin, je le calculerai plus jamais dans le jeu. Voilà, fin de l'histoire. Ça me casse les couilles, cousin. C'est faux. Ah bah, excusez-moi, autant pour moi. Vous disiez, tu m'entends, mon ref? Ouais, ouais, toi, tu m'entends, mon ref? Ouais. Tu m'entends bien? Ah, je t'entends bien de fou, et toi? Ouais. Et ouais, je t'entends bien. Mais sur 10, tu notes combien ma voix? Sur 10? 10, ça, et toi? 10, nickel. Voilà, tout le monde t'as pris un petit médicament? Ouais, hey, mon ref, je voulais te dire. Balthazar, ouais, il m'a ouais, appelé ouais. Là. Eh, hey, je sais pas si t'as suivi ce qui s'est passé avec Balthazar. J'ai rien suivi, j'ai mes propres bikes, tu me racontes. Eh, hey, écoute. Wesh. Wesh, c'est qui la hi? Oh, c'est mon sgeek, t'inquiète. Ouais? Ah, il m'a fait halal. Oh, crie pas, arrête de crier, arrête de crier, ta mère. C'est un grand rendez-vous là. Ouais, ça va ou quoi le sens, ça dit quoi? Bon, on va faire du stunt un peu plus loin, tu reviens dans. Va faire là-bas là. Comment ça, mais je suis au petit là. Deux speed, vas-y. Attends, là c'est grave important. Attends, juste Srud, il m'appelle. Ouais, Srud. J'arrive. Srud, tu m'entends? Tu m'entends? Ouais, je t'entends, tu m'entends? Ouais, ça se passe bien. Eh, ça se passe, je te disais, Balthazar, il m'a appelé, j'ai décroché. Il m'a dit. En gros, il faisait Zarma, tic-tac, Zarma, compte à rebours et tout pour me faire l'air un peu. Il m'a dit. Je vais te donner une pause, tu vas venir à 15 rab à toi, qui tu veux. Je te donne l'occasion okay. De te racheter. Je te donne l'occasion de te racheter. Je sais pas ce qu'il va demander avec le sahab. Peut-être il va me dire tue ton sahab. Et Zarma t'as expié tes péchés et tes dettes. Et tu vas taffer pour moi de nouveau.
Je pense que c'est ce qui va se passer. Moi, j'ai très sincèrement, j'ai l'idée de ramener. Comment il s'appelle déjà? Attends, je la refais. Je vais te dire une chose simple. Quand ils vont te dire, ils vont t'envoyer la pause, ils vont te demander de le rejoindre. Tu m'envoies la pause d'où t'es. Et quand je t'envoie OK, tu peux partir. C'est bon. Ok. Vas-y, dis-moi quand il te dit. Attends, la pause que je t'envoie, c'est celle que je t'envoie avant de partir ou une fois que je suis arrivé? Non, OK, quand la pause, tu me l'envoies avant de partir. Ok. Oh mon ref, tu m'entends là? Okay. Ouais, je t'entends mon ref. Attends, juste. Ok, c'est bon. Ouais, je sais, mais c'est bon. Hey, Shrud, attends, j'ai pas compris. Hey, si tu veux, on s'envoie un mail BG, ok? Shrud, tu m'entends? Ouais. Tu veux que je t'envoie un mail? Non, il m'entend pas, je crois. Allô, tu m'entends? Ouais, je t'entends, tu veux que je t'envoie... Désolé, j'étais avec la chaîne de l'unicorne. Hey, je te disais, quand tu dois y aller, tu m'envoies la pause d'où t'es avant de partir. Okay. Quand je t'envoie OK, tu peux partir. C'est ok, bon ça marche. Mais je crois peut-être qu'il m'a envoyé la pause, là, carrément. Je vérifie maintenant, là. Vas-y, regarde, dis-moi quand. Attends, j'ai pas le temps. Attends, c'est quoi le numéro de balle? Allô? Non, tu m'entends? Ouais, j'étais en train de t'envoyer en voix pause justement. Ça y est, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Bah, je vais te dire un truc, hein. Et retiens-le bien. Ne fais pas le con. Ok. Cette pause, tu vas l'avoir. Mais note qu'à partir du moment où tu vas tenter un truc, je ne te laisserai aucune porte de sortie. Je sais. Je sais bien. Super. Attends-toi avant la pause. T'as un pote avec toi? Mon pote, il arrive d'ici une minute. Il arrive. Une minute? Ouais. Ok. Allez, joue de jeu, période. N'oublie pas. Allô, le chat, fais pas la salope. Ça va? Oui. Ouais, ça va et toi? Pépère. Ouais, ça va, pépère. Je voulais te dire, moi j'ai eu écho de petits différends avec toi. Le mieux c'est qu'on se règle. Je t'envoie une pause, tu me rejoins, on part en balade. Et on règle tout ça au calme. Vas-y, chaud. Moi aussi, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ce que j'ai plutôt déduit. C'est parce que tu m'as esquivé tout à l'heure au casino. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Ouais, mais j'avais eu écho de quelque chose. Mais du coup, on m'en a parlé et tout. Ça va pas pour moi. Mais on en parle au calme. Ouais, viens seul. Moi je suis seul là. Je suis seul. Vas-y, là je suis juste en train de... Je suis en petite réunion là et je te... Envoie-moi une... Parce que dès que tu veux, quand t'es prêt, je viens. Okay, là, je, okay, bah, je te l'envoie. Vas-y, ça marche, vas-y. Oh, Boudizi. Oh, beau gosse. Eh, ton poteau, je vais le fumer, ton poteau. Quel poteau? Comment il s'appelle, Pépère. Ah, Randall. Randall, c'est finito, tu le verras plus. Oh bah c'est carré. Il vient là, justement, il vient. Le mieux, je pense, c'est que tu... Je lui ai dit que j'étais seul. Le mieux, c'est que tu pars, je lui envoie la pause, là, il va venir. Je vais aller à une autre pause. Et si tout est carré, Balthazar, il me demande de le tuer. Si tout est carré, c'est... Vraiment, j'essaie de me mettre dans la tête de Balthazar, je pense vraiment que c'est ce qu'il va me demander de faire. Oh, donc là, t'es en train de me dire, tu vas tuer mon ex-partenaire, là. Ouais, mais... Je vais fumer un faux frère. Ouais, voilà, exactement, j'ai fumé un fou. Je t'en serai toujours reconnaissant, ce que t'es en train de faire là. Tu reprendras ton rinté, et la prochaine fois, je choisis mieux. Si, t'inquiète pas, mon ref. Ça fait partie du métier, ça te forge au calme. Je veux que tu me dises en détail ce que tu vas lui faire après, quand tu l'auras tué, fils de pute. Vas-y, crois-moi, ça va pas juste être une balle dans la tête. Crois-moi, je vais prendre mon couteau, je vais écrire Boudizi sur son dos. Oh, mon gars, vas-y. Et bah, Zizi, moi, le dernier i, je vais descendre avec mon couteau, je vais descendre jusqu'à son trou de balle. Bon, vas-y, c'est bon. J'ai capté, vas-y. Bah, vas-y, Boudizi, on se capte après, il arrive là. Vas-y, tu sais où mon zinc ou quoi, s'il est là? Ton zinc? Ah,
il est occupé. Appelle-le plus loin et roule. Et... Comment t'as beu, nique ta mère. Non. c'est attends, parce que là, il y a 10 000 trucs qui se passent dans ma tête. Si tu savais ce qui est en train de se passer, va avec ton zinc. Rejoins-le. Et reste avec vas-y, lui. Vas-y. C'est quoi la pose de. Oh, la suite, wesh. Wesh, la map, depuis quand elle est grande comme ça, la map? Non, ça va, c'est pas très calme. Du groupe HZK, oui, PZK aussi. C'est des fous. Les modos, s'il vous plaît, sub-mode, faut que... Attends, je vais changer ce casque d'Abuchina. Putain, je suis en train de stresser. C'est peut-être la mort RP pour moi, mais nique sa mère, je tente le tout pour le tout. Nique sa mère. Voilà, nique sa mère, je mets ça. Tu veux quoi, cousine? Wesh! Elle marche en accéléré. L'autre, je vais lui mettre un petit T.O. Faut lui mettre un coup de pied au cul, là. T.O. En gros, dépêche-toi. Pas trop, mais on va la pause. Lui là non. Non, ça c'est Boudidi et son collègue. Ok, ça marche. Les modos, ouais, s'il vous plaît, mettez-vous en emoticon only, s'il vous plaît. C'est très important là, il va se passer quelque chose de très important normalement. C'est simple, c'est un kit tout double ce qui va se passer. C'est très très simple. Je pouvais pas vous en parler carrément. Je coupe le micro pour que personne nique ce que j'ai à faire, mais ça passe ou ça casse, on verra. Carrément, c'est avec son appel là, il y a une autre option qui s'est ajoutée au. Il y a un autre dessin qui s'est ajouté au tableau là. Allez, viens Randall. Viens par ici, Randall. Ok, on sait jamais. Je vais effacer toutes les combles. T'es là, mon petit sucre, je sais pas c'est qui. Bon, après on s'en bat les couilles de ça. Putain, je stresse sa mère, j'ai le cœur qui bat comme quand on a failli péter ça, c'était c'est lui là, ça qu'on a failli péter. Tu veux checker le coffre au cas où? Ouais, s'il te plaît, je vais checker le coffre. Ouais, ça va, c'est carré, y'a rien. Tu veux me palper, voir si j'ai un micro ou quelque chose? Ouais, je vais te fouiller. Ouais, vas-y, regarde. C'est bon? Attends, je crois que j'arrive pas. Ouais, non, c'est bon, je crois. J'arrive pas à te fouiller, mais on va dire que t'as rien sur toi, on va dire. Par contre, t'as dégaine. Ouais, non, je suis parti faire du cricket, enfin du golf. Je suis parti faire un peu de golf. Ah, ok. Bon, vas-y, monte. Ouais, attends, je monte dans la voiture, attends deux secondes. Reste ici. Là, tu vois, il y a une pause. Ouais. On va parler en allant à cette pause parce que moi, en fait, je dois faire quelque chose d'autre. Attends, ouais. Ça m'appelle. Vas-y. Allo? T'es où? Je suis en route. J'arrive. T'es prêt? Ouais, j'arrive, je suis en route. T'as ton pote avec toi? Ouais. Comment on a fait pour en arriver là pour le papa? C'est un concours de mauvaises circonstances. C'est qu'on avait. T'avais un avenir avec moi pour le papa. Ouais, mais c'est passé des choses qui ont fait T'étais comme de ma famille, presque. Un petit con qui voulait juste se développer.
Ouais, mais malheureusement, on m'a tiré ma veste à gauche, à droite. J'ai dû faire certains choix dont je ne suis pas fier là maintenant. Mais ce qui est fait, de toute façon. Tu peux reculer en arrière, boule baba. Ouais. Chaque acte assez. Conséquence, ouais. Je t'attends. J'arrive. Tu te sens prêt? Ouais. Bien. Ok, excuse-moi. Attends. Ouais, t'inquiète, tu peux conduire par contre, juste j'ai des petits problèmes de sable. Ah, excuse-moi, vas-y, je conduis. Vas-y, vas-y. Je conduis, j'attends juste. Attends, excuse-moi, j'ai pas juste un appel. Vas-y, vas-y. Juste encule pas la voiture, s'il te plaît. Pourquoi, c'est ta voiture? Non, non, c'est juste, j'aime la garder propre. Tu sais que c'est les voitures du casino, ça. Jure, tu fais comment pour l'avoir? T'as vu, il y a un petit garage à côté de l'entrée du casino. Un garage? Non, il y a un parking pour moi. Ouais, mais à côté, il y a un garage que tu peux aller devant et il y a des voitures. Il y a même des limousines. Hein. Ah ouais, non, j'avais jamais vu. Ah, excuse-moi, attends. Allô, allô? T'inquiète, vas-y, vas-y. Allô, allô, hey, c'est quand que j'ai ton OK? Allô? Allô, allô? Ouais. Hey, c'est quand que j'ai ton OK? T'inquiète, sois patient. Mais donne-moi une fourchette de temps, s'il te plaît. Parce que là, minutes max. On me met la pression. OK, c'est bon, je les attends, les deux minutes. Ouais, bah vas-y, on peut commencer à parler. Là, j'attends juste Rude. Il m'envoie un truc et après, on y va. Vas-y, vas-y. Moi, on m'a dit que... qu'en gros, vous avez écarté Boudizi de son propre projet. Et qu'en gros, je te la fais court. Et que vous êtes parti, toi, vas-y, marchander avec le gang qui voulait ma peau, justement. Ce que je ne comprends pas, vu que moi, je vous fais taffer. J'essaie de vous hisser vers le haut. Je suis occupé, Oniski. Ouais, désolé. J'essaie de vous hisser vers le haut. J'essaie de vous... vous donner du pain, tout simplement, tu vois. Pour moi, vous êtes des bons gars, mais c'est pas logique dans vos choix ce que vous faites. C'est ni logique pour Boudizi, c'est ni logique pour moi. Donc, moi, je suis dans une optique où je vais donner du taf à Boudizi plutôt. Je tèche du casino et faites votre route parce que c'est trahir la Honda d'aller voir les ennemis comme ça et de vouloir pactiser avec eux alors qu'ils veulent la peau d'un de tes gars, tu vois. Ok, là, je t'ai tout dit. Là, c'est bon. Vas-y, vas-y, moi, je t'explique. Alors, par rapport à Boudizi, pour le groupe. Ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est écarté lui tout seul du groupe. Tu vois, je sais pas ce qu'il t'a raconté, ce qu'il t'a dit, pourquoi. Mais ce qui s'est passé, c'est que t'as vu, il est parti pendant 4 jours. Pendant ce temps, nous, on a essayé d'avancer de notre côté, tu vois. Genre, c'est pas parce qu'il est pas là que qu'on va. Si, si, c'est. Non, mais attends, je t'explique. Excuse-moi, je te laisse parler. Regarde, je t'explique moi mon point de vue. Après, ce qui s'est passé hier, t'as vu, ça, tu dis à personne, c'est entre nous. Hier, on a braqué la bijouterie. On a braqué la bijouterie avec le groupe. On devait le faire avec Boudi, justement. Sauf que Boudi, pendant qu'on était en train de faire les préparatifs, il est parti. Il s'est taillé sans rien dire à personne. On ne sait pas où est-ce qu'il est parti. Et nous, on a mis une heure et demie à faire le plan pour où est-ce qu'on met les voitures, pour la fuite, etc. Genre, on a trahir de fou, tu vois. Et au bout d'un moment, il nous rappelle, il nous dit « Ouais, je suis avec mon oncle, là, on est devant la bijouterie. Genre, on va à la bijouterie. » Et nous, on est en mode « Tu vois, c'est pas ça le plan. » Genre, en mode, toi, viens, on discute. Tu veux faire la bijouterie avec nous, tu viens, mais on t'explique le plan au moins. Excuse-moi, j'ai juste un appel. Vas-y. Je suis là dans moins de quelques minutes. Je suis là dans. T'as 4 minutes, dépêche-toi. Ok. Excuse-moi, tu peux continuer, moi. Ouais, du coup, je disais, en gros, il s'est sorti lui-même du plan du casino, etc. Et j'ai surtout l'impression que lui, il en avait un peu marre d'être avec le groupe, tu vois. Sauf que, chose que je peux comprendre, hein. Donc à ce niveau-là, moi j'ai juste essayé de faire avancer le groupe pendant qu'il était pas là. J'ai essayé de faire des trucs pour que tout le monde mange un peu. Ouais, mais justement, c'est pour ça qu'il s'est mis à l'écart. Excuse-moi de te couper. Il s'est mis à l'écart parce que en son absence, il apprend que un de ses gars qu'il a recruté dans son propre projet à lui, dans son propre gang, il se fait passer pour un patron ailleurs. Il essaie de faire des deals dans son dos. Ça c'est faux parce qu'on en a discuté hier et tout le monde dans le groupe, genre on s'est mis tous ensemble, on a discuté. Et tout le monde dans le groupe a avoué, genre dès qu'il y avait des décisions à prendre, je disais, tu vois, par exemple, on a recruté un mec, j'ai dit, moi, je veux bien que tu nous rejoignes et tout, mais il faut attendre Eddy, c'est pas moi qui gère, c'est pas moi le chef. À chaque fois, tout le monde a attesté qu'à chaque décision, tu vois, parce qu'il faut quand même un mec qui parle. C'est en mode, si le chef il est pas là, faut bien que quelqu'un dise, vas-y, venez, on essaye de faire ci ou ça, tu vois. Mais je me suis jamais mis en tant que patron. À chaque fois qu'il y avait des décisions à prendre, moi, j'étais en mode, non, on attend Eddy, c'est Eddy qui valide ou pas. Mais juste à côté, faut quand même qu'on avance nous aussi, tu vois. Genre, on a une vie, on a. Non, c'est sûr, moi je vous ai compris sur ce point de vue-là. Même quand je n'ai parlé à Boudizi,
Je lui ai dit, moi, tu t'absentes. Eux, ils peuvent pas aller faire du business ailleurs en étant des simples subalternes, on va dire. Ils sont obligés de se faire passer pour leur propre patron, sinon ça passe pas. C'est ce que... Moi, je te rejoins sur ça, je suis Corda. Non, mais juste pour appuyer encore plus là-dessus, tu m'entends? Ouais, je t'entends, excuse-moi. Ouais, juste pour appuyer encore un peu plus là-dessus, c'est que t'as vu aussi, on avait un taf au casino, toi non plus, t'étais pas là, donc... T'as fait au... Voilà, tu vois, c'est ça aussi le problème. T'as fait quoi, excuse-moi, ça a coupé. T'es aussi un peu obligé de travailler encore. Putain, ça coupe. Ah, c'est moi, je crois, ouais. Je sais plus. Tu m'entends, là? Ouais, là, je t'entends. Ouais, du coup, je disais... j'étais obligé encore plus de travailler avec le groupe parce que vu que toi t'étais pas là, ben on pouvait pas travailler au casino avec pieds nus et. Ouais, et mais Jeff. Ouais, mais explique-moi ce choix d'être allé voir un gang qui veut ma peau, frère. Ça, par rapport à. Attends, tu peux, ça coupe un peu, excuse-moi. De... Ah, je t'entends. Ah, là, tu m'entends, toi? Ouais, je t'entends. Tu m'entends nickel depuis tout à l'heure? Ouais, nickel. Ah mais je sais pas si le problème vient de moi ou toi. Tu me disais quoi du coup? Ouais, du coup je disais là-dessus, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Après, je vais pas te mentir, c'est une décision. En fait, c'est même pas moi je suis allé voir un groupe pour travailler avec eux ou quoi. C'est juste en gros. En fait, si tu veux, dans le groupe, il y a. Bah, tu vois qui c'est, Jeff? Il était à la. Avec les dreads là. Ouais, c'est ça, c'est ouais, lui, ouais, là, ouais. Le Deadlocks. Bref, lui. En gros, il a... En fait, lui, tu vois, je le sentais pas. Genre, je le sentais en bizarre. Je sentais qu'il nous cassait des trucs. Et il nous a dit, moi, je vous fais pas confiance. Oui, je vous cache des choses. Mais pour que je vous fasse confiance et que je puisse vous parler un minimum et que je puisse vous faire confiance, il faut que vous fassiez la bijouterie. Chose... Et le problème, c'est que... Aïe. Tu m'écoutes ou pas? Ouais, excuse-moi. Aïe, putain. Vas-y, bon, bref. Excuse-moi. Bref, en gros, on devait faire la bijouterie pour Jeff à la base, tu vois. Et pour aussi prouver que t'as vu le groupe. Vas-y, on rigole et tout, mais. Mais on est sérieux, tu vois. C'est qui ça? C'est qui? Oh là là, vas-y. Wesh. Sortez. Allez, enlève les mains. Vas-y, enlève les mains. Vite, remontez. Juste mon unité. Allez, la chapter, allez, go. Let's go, tu peux rouler. La chapter, on poursuit le véhicule. Il se passe quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Wesh. Tu m'as emmené où là, frère? Qu'est-ce qui se passe? Je suis comme un ouf. Non, tu m'as emmené dans quoi, wesh? Non, attends, je comprends pas là. C'est on fait quoi? On fait quoi? Je fais quoi? Je sais pas si je dois crier let's go ou si je suis trop heureux. Ah, monsieur, que... vous les masques, s'il vous plaît. Oui. Allez, les mains en évidence, s'il vous plaît, monsieur. Il se passe quoi? Vous allez monter dans. Où ça? Allez vers le chemin là. Venez, si vous voulez. Je sais pas si je dois crier let's go ou si je suis mort, je sais pas. Allez. Non, c'est quoi ça? Et personne prend une radio, personne prend son téléphone. Mettez tous les mains contre le balleur, s'il vous plaît. Tous les mains contre le balleur. Allez, chez vous. Dommage pour vous, messieurs les agents. Retournez-vous, dépêchez-vous. C'est intervenu trop tôt. Qu'est-ce qui se passe? Retourne-toi. Ok. Faites tous là. Qu'est-ce qui se passe? Quoi ça tire par ici? Putain, mais dis pas qu'ils sont intervenus trop tôt, Zabi. Ok, monsieur, ici, un pistolet. Ils sont venus trop tôt, je suis mort, je suis un homme mort, j'en ai marre. Si, j'ai. Ils sont venus grave rapidement, donne-moi. S'il a rien du tout, lui, pour moi. Je suis fou, là. Parti, Rocario. Très bien. Aïe. Reste de ce côté-ci. Votre radio, s'il vous plaît, votre téléphone. Qu'est-ce que c'est que ce plan foireux? Qu'est-ce que c'est que ça? Merci. Ils sont venus trop tôt, tout ça. Ouais, c'est bon. Non, il a rien, lui, il a rien. On était même pas sûr qu'il y avait pas des inventaires. Toi, tu montes dans le bowler, tu prends les deux là. Le cheveu rouge et la tête de paillasson. Quelqu'un monte et avec nous, on prend le chauve. Bien. Allez avec nous, le chauve, s'il vous plaît, dans le bowler. Dans quoi tu m'as ramené, wesh? Pourquoi vous êtes revenu si vite? Montez dans le bowler, monsieur. Nickel. C'est pour vous. On serait pas deux dans le bowler, on sait jamais. Allez-y, montez. Vas-y. Et toi, t'inquiète-toi. Quelqu'un monte avec moi ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Oh, y'en a un qui monte avec lui là.
Tiens, je vais retourner. Donne-moi tes mains. Voilà, je vais noter. Mais note-les quand même, on sait jamais. Et je comprends. Vous voulez qu'on ressorte ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, je vais lui mettre, je vais lui mettre des zip. Attends, hop là, je prends ça. Oui, passe tes mains, passe tes mains. Tu m'as ramené, frère. Passe tes mains, monsieur, passe tes mains vite là. Je vais demander de garder le silence pour le moment, s'il vous plaît. Nickel, hop là, je te mets les zip, tac. Parfait. Toi aussi, le sac à cheveux rouge, donne-moi tes mains. Hop là. Hop. Nickel. Ah, vous me dites si vos mains deviennent mauves là. Non, c'est bon, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. On va vous expliquer ça au préalable, monsieur. Maintenant, s'il vous plaît, juste gardez le silence et laissez-nous faire notre boulot. D'accord? D'accord. Ok. Merci. Ouf, putain, je stresse. Soit ça s'est bien passé. Votre cas, c'est pas... Soit pas du tout, je comprends pas. Je sais pas si ça s'est bien passé ou non. Putain, ils sont arrivés à. Ils sont arrivés en une seconde. Quelle efficacité. Chacun son tour. Ok, je vous explique. Moi, je m'appelle. Je suis là. Oui, de quoi? Allez-y, expliquez-moi ce que vous faisiez là. Oui, donc je disais, en gros, on a eu des petits différends. Et donc, on s'est appelé pour discuter tranquillement. Et voilà, on a fait une petite balade en roulant. On a discuté. Ça fait 30 minutes qu'on est en train de rouler, en train de discuter. Et voilà, et vous êtes arrivé au moment où. Enfin, sur une shafter, je crois, c'était. Et vous êtes arrivé à ce moment-là où on était en train de discuter. Bah là, on tombe en panne d'essence, hein. Et vous là, monsieur, avec le t-shirt vert là, vous c'est quoi là-bas? Pareil, on était en train de rouler, j'étais en train de parler. À un moment, je me suis cogné dans un ravin, on va dire, je suis tombé, et en ressortant, tout est allé en une seconde, j'ai rien compris. Je sais même pas qui était qui, je pense qu'on est. Vous étiez avec qui? Pardon? Expliquez-moi un peu. Vous étiez avec qui? J'étais avec celui à côté de moi là, Randan. Ok. Passe-moi vos pièces d'identité, s'il vous plaît. Ouais. Oui. Ah ouais, non, ça... Ce serait peut-être mieux qu'on sorte. Zip, là. Non, ça passe pas. Okay. Passerait plus tard, pardon. Okay. Excusez-moi, mais vous avez réussi à coffrer qui dans cette histoire? Je comprends pas. On va rien vous dire, monsieur, malheureusement. Ok. On doit les ramener où, là? On va les ramener au PDP, hein. Mais c'est eux qui ont dit ça, ou pas? Putain, là, je sais pas, si on va survivre. Enfin, oh, sinon on les ramène au PDP. Et, je sais pas si c'est un fiasco ou si c'est un succès. Sachant que Alvarez, ils sont trop forts. Ils sont arrivés en une seconde, sa mère la pute. J'ai rien vu venir. Très bien. Je sais même pas de où ils sont sortis. C'est ça. Vous m'expliquez la troisième personne qui était avec vous? Vous me prenez pour un con, monsieur? Non, on était que deux. Non, il y a une troisième personne qui est avec nous, qui est avec Le chauve là, le crâne chauve, il est arrivé en même temps que vous. Il arrive en même temps que vous, c'est ça qu'on comprend pas. Nous on était. Je pense pas, non. Ah si, je peux vous jurer, vous attestez sur mon honneur qu'on est sorti du ravin parce que là il s'est pas conduit. Attends, je vais tester quelque chose d'impression, on se fait suivre par la moto derrière. Regarde bien. Je vais faire un tour de patelin. Il continue à nous suivre là. Ouais, je vais faire, t'inquiète pas, un petit tour. On va regarder. Roule. On se fait attraper le balleur à côté du commissariat, le parking. Dépêchez, s'il vous plaît. Vite, primo noir. Vite. On a plus d'essence. Oh, le pire timing. Sors ou ça va t'abattre. J'ai les mains en l'air. Tes potes qui reculent tout de suite, sinon ça va tirer. Y'a tes potes qui reculent maintenant. Y'a tes potes qui reculent. On est coté. Allez, dégage, tu veux quoi, vas-y, bouge. Non, vous laissez pas faire, s'il vous plaît, vous laissez pas faire. C'est vous laissez faire les mecs là, vas-y, bouge. Ils vont m'emmener en otage, vous laissez pas faire. Ton blast, quoi, c'est quoi? Je l'ai donné au mec de 19. 19, ton nom, pas non, sale fils de pute. Go le grand. Bouge pas. Ton blast, toi. Boulbaba Berlouni. Reste collé à la. Non, c'est juste que. Regarde-moi bien dans les yeux, hein. Tu ressors pas de là.
Peu importe ce que tu dis, je m'en fous. Mettez un masque, mettez un masque. Et pointe mon corps. Blanc, c'est bon. Vous inquiétez pas, mes collègues vont gérer la situation. Randa, comment? Continue à pointer, vas-y, continue à pointer, vous allez voir. Continue, vas-y, vous allez voir, vas-y. Ton nom, prénom. Comment je mets les mains comme ça, s'il vous plaît? J'ai jamais réussi à le faire. Eh toi, tu veux que tes potes ils crèvent ou pas? Arrête de braquer, je t'ai dit. Tirez-vous là, reculez là, reculez. Oui, oui, oui. Oui, croyez-le, allez-y. Deux, mais ça marche pas, les gars. Crois-le que je vais pas me péter d'ici, tu vas voir. Hein. Crois-le. Ça c'est ça, deux. Hein. Quand j'appuie sur deux, ça fait ça. 68, viens avec moi. Animation. T'as fait quoi, toi? J'ai rien, moi. Explique-moi, t'as fait quoi? Moi j'ai rien fait. C'est mon masque, c'est mon masque. Vas-y, continue à pointer, vas-y, continue. Tu veux jouer le. Tu vas le voir ici. Vas-y, continue, vas-y. Vas-y, continue. Vas-y, arrête ta mère, allez, casse-toi, ça y est. Vous avez vraiment pété les plans aujourd'hui. Je sais pas ce que vous avez, vous avez pété les plans. J'aimerais bien négocier. Bon, on négocie pas pour l'instant. Négocie avec lui rapidement, garder le temps. Écoute, je vais dire un truc. Baisez-les, ouais. T'as fait quoi? J'ai rien fait, je ne comprends pas ce qui se passe. T'as fait quoi? Je suis venu à la pause, ils sont débarqués en même temps que nous, ils ont pété vers toi. T'as donné un signal? J'ai donné aucun signal. Vous avoue, gars, t'as donné un signal. Vous allez rester avec mais nous. Hey, même en venant, normalement, regarde, t'es futé. Tu me traques avant que j'aille à la pause. Je n'étais pas suivi, je comprends pas ce qui se passe. J'étais pas suivi. Comment. J'ai un signé ton arène mort, malheureusement. Mais sache-le, hein, Boulbaba, regarde-moi bien dans les yeux. Je ressors de la vivant et tu vas venir avec moi. Il est où le mec que vous avez pété juste avant là? Retiens bien un truc. Il est où le mec que vous avez pété juste avant? Y'en a, il va se passe. Je suis premier à étudier qu'est-ce qui se passe. J'étais avec mon pote. Réaction, là-bas. Okay. Bon, je vous dis. Bon, voilà. Mon Hermano qui s'est fait péter tout à l'heure, il est où? J'en ai aucune idée. Je sais pas, ils sont les. Vous savez pas, bah vous allez demander en radio et voilà. Ah, vous pouvez leur demander. Balthazar, posez vos équipements. Balthazar! Quoi? Je comprends pas ce qui se passe. Je m'en bats les couilles. Tu te tournes et t'attends. Ok. Eh, hey, collègue, t'as entendu? Hey, si tu n'as pas où il est. Si nous dis pas où il est. Ouais, moi on n'aime pas collègue, il a vu moi bien. T'as entendu ou pas? J'ai un état d'arrestation. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Je l'ai appelé Balthazar, il a dit quoi? T'as entendu? Ouais. Ok, c'est pour toi, t'as un témoin à charge. Demandez la libération de l'autre. J'ai déjà. J'ai déjà un supérieur qui est de l'autre côté, je pense. Y'a pas moyen, vous me rendez justement. Le négociateur il est où là? Ferme ta gueule, le négociateur il est où? Bonsoir. C'est compris, on va pas vous le négociateur, oui ou non? Oui. Ok, super. Bah vous dites à la meuf d'arrêter de négocier alors dans ce cas-là. Elle n'est pas des cow-boys. Ramène-toi. Écoutez, on va rester ici pour négocier. C'est suffisant. Vas-y, bah, tu. Moramano qui s'est fait arrêter tout à l'heure, il est où? Votre quoi? Moramano qui s'est fait arrêter tout à l'heure, il est où? Hermano. Oui, oui, Moramano. Vous avez embraqué. Ouais, c'est simple, c'est pas. C'est simple ce que je te demande. Il s'appelle comment? Il y a 5 minutes. Là, il y a 5 minutes, oui, okay, t'as embarqué quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah, vous êtes bizarre. Courant, bah, demande à ta radio. Moi, je m'en fous. Putain, je sais pas lever mes mains en l'air. Oh, lever les mains en l'air. Let's go! Il est encore temps d'abandonner. Il y a 5 minutes. Ok. C'est encerclé, s'il vous plaît. Ça, ils abandonneront pas au stade où ils en sont. Ouf, qu'est-ce qui se passe? Putain de merde. Faut que je tente un autre truc. Putain, on aurait dû mettre de l'essence. Oui, il y a plein de personnes. Bah, j'avais. Ouais, bon, on va pas discuter ici, mais on va pas discuter. Bah, ouais. Mais j'espère juste qu'on pourra en discuter plus tard. Crâne chauve. C'est à tes collègues d'être coopérants avec nous, il y aura bien. Ouais, ouais. Je l'espère aussi qu'ils seront coopérants. Juste, excusez-moi de vous demander ça, monsieur. Il serait pas possible. S'il te plaît, j'ai une grosse demande à faire à Alejandro, s'il te plaît, appelle-le. J'accrocherai juste mon. Vous pouvez me rendre mon truc là? Mon affaire que vous m'avez pris, monsieur. S'il te plaît, appelle-le. Déjà, je veux savoir si tu l'as, ouais. Vous m'avez pris mon masque. Parle-moi fort, s'il te plaît, le P. Appelle Alejandro, s'il te plaît, faut juste quelque chose. Vous m'avez pris mon masque, juste, je le remets pas, je le garde juste en poche là, enfin, s'accroché sans mon torse. Attends. Merci, c'est un masque force spécial. C'est pas moi qui l'ai, c'est pas moi. Ok, merci. Alejandro. Et enlève ton masque toi aussi là. Alejandro. Ok. C'est l'air là. Alejandro, tu m'entends? Je crois qu'il te parle, hein, le J.
Ah peut-être toi tu m'entends toi? Oui on t'entend. Oui, t'inquiète, t'inquiète. Allez Randro, tu m'entends? L'autre là. Non. Je vais décaler le véhicule vite. Allez Randro, je t'entends pas. Oh, il y a plus d'essence. Excuse. Laisse-le. Vas-y, implique-toi avec moi. Con, merci, merci pour ta révélation, espèce de con. Vas-y, Taylor. Lui là, il est trop con, celui qui nous pointe, il est trop con. Je crois qu'il te parle. Il vient clairement d'avouer que Alejandro c'était lui et il vient de dire que c'était pas toi. Arrête de pointer toi. Yes. Surtout là, il y a quoi? Yes. Le négociateur. Yes. On l'attend. Let's go. Ils ont entendu, regarde, c'est de con. Ils ont entendu. Regarde. J'arrête pas de s'il vous plaît, par pitié, allez pas dire ça sur le chat de Balthazar, il va encore changer d'identité. Par pitié, lui dites pas, s'il vous plaît. Il change encore d'identité, ça va être sans fin, j'abandonne moi. J'abandonne s'il change encore d'identité. S'il vous plaît, lui. Il va pas la baisser, continue bien de pointer. Lui dites rien, s'il vous plaît. Déjà, il s'en est douté en parlant pas, mais lui, quand on lui a dit je crois qu'il parle, il a confirmé que c'était bien lui à l'époque. Quoi? Mais j'ai rien fait moi, je comprends pas. J'étais avec mon pote, vous m'avez dit de ramener mon pote. Mais regarde, j'étais avec mon pote, où ils ont débarqué en une minute, je comprends pas. Carrément, ils nous emmenaient en poste pour, ouais, nous, c'est pour nous interroger. Réfé, c'est par ici qu'on négocie. Par ici, bien. Espèce de Arthur con. Merci, ouais, merci, espèce beau, de ouais. Con. Va. Let's go. Je le jure, ça va le faire tomber, je le jure. Là, par contre, s'il essaie de me kidnapper, c'est n'importe quoi, par contre, s'il essaie de me kidnapper, là. Écoutez, monsieur. Le tir n'est pas une solution, d'accord? Alors, on va discuter. Non, toi, d'abord, regardez, on va discuter. Qu'avez-vous comme otage? Parce que je ne vois pas très bien, là. Mets-toi à côté. Deux, mettez-vous à genoux, tous les deux. Putain, il m'en manque beaucoup, je sais pas. Commandant. Il reste des boutons, pour le papa. Reste debout. Attends, Non, je te mettrai à genoux, mais tu t'y mets pas, donc reste debout. Non, ouais, j'essaie. Ouais, je reste debout, c'est mieux. Ouais, non, mais reste debout. Eh, s'il vous plaît, par pitié, allez, passe-moi, je vous en supplie, il va encore changer d'identité. Et moi, j'arrête GTRP, je le jure, il change encore d'identité. Je vais aller regarder sa rediff de stream. Si ça lui a poucap dans le chat et qu'il change encore d'identité, j'arrête GTRP. C'est mon dernier live sur ce jeu, je le jure. J'en ai marre, j'en peux plus. Là, c'est mon infime. Hey, j'ai une toute petite chance de m'en sortir, c'est celle-là. Là. Si on me la prend, c'est mort RP. C'est... Je peux pas gagner comme on dit contre le casino, je ne peux pas. On peut savoir ce qui se passe. S'il te plaît, Bichou, joue bien. S'il te plaît, Bichou. T'es un très très bon joueur RP, s'il te plaît, joue ça bien. Te laisse pas influencer par ton chat. 10-4. Change pas d'identité, Bichou. Je te demande que ça. Le P, tu m'entends pas? Moi? Non, il parle pas. Il parle pas le P, toi. Oh, le P, demande si c'est un homme qui est en haut là. Non, c'est un Vagos. Ok. Putain, et la police, ils ont été grave efficaces sur ce coup. Ils ont été très 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 efficaces, c'est pas Alvarez là. Ah là c'est pas Alvarez, ils sont venus en une seconde top chrono. Ils sont venus, opération musclé claque, dérapage, bim bam boum. Viens là, toi monte dans le clubber là, je sais pas quoi. C'est un clubber ou un cluster, j'ai oublié le nom de cette bagnole là. Et là ils sont très 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 organisés là, c'est très carré comment ils sont. Allez les. Comment je fais pour mettre sur les genoux par contre? Alva Genez, oui. Alva Genez pour de vrai. Premier à tomber. Lève tes mains, toi. Wow. Bon, les gars, tout va bien se passer. Caillette et la boca, toi. Ferme ta gueule. Gros des putains. S'il te plaît, faut juste quelque chose à aller prendre. C'est très important. Lève tes mains, toi. Lève tes mains, je te dis. Oui, je sais. Ok. Mais là, votre bail de. Laisser deux personnes et partir avec, ce ne sera pas accepté. Eh, s'il vous plaît, on va voir par la suite. S'il vous plaît, parlez à Alejandro, je dois lui parler, c'est très important. Un moment, c'est à cause de vous tout ça, donc fermez-la, par favor. Avant qu'on pète les plombs, on abat tout le monde. Je suis désolé, je voulais juste parler à Alejandro, j'ai quelque chose de très important. C'est qui, Alejandro? Vous êtes tous morts. Non, je pointe pas, c'est pas la peine, tu veux pointer pour quoi?
Les quatre, il veut là, parler à je sais pas qui, notre... Vous ressortirez pas vivant. Il y a deux secondes, ils viennent dire qu'ils ont pas envie de tirer et oh, ils pointent. Bah vas-y, tranquille, on va attendre. Oh là là. Comme ça, on sort pas vivant, par contre. Et ouais, bien peuvent, les otages, ils peuvent pas nous tirer dessus. Réponds-moi ta vie, s'il te plaît. Merci. Bah alors, arrête de parler. Dis-lui parce que c'est des otages. C'est s'il vous plaît, on se calme, s'il vous plaît. Après, c'est des otages, réfléchis un peu. Non, mais c'est normal, c'est le protocole. Si vous nous visez, eux, ils vous viseront. C'est normal. Ok, lui, il a bien joué. Il a dit c'est qui les rendre gros. Ça prouve que lui, il a fait une grosse erreur tout à l'heure. Bah qui baisse ses armes, je baisserai mon arme. C'est simple, tu baisses ton arme, il baisse ton arme, c'est bon? Parce que je vois que tu stresses un peu. C'est ce que j'attends depuis le début, mais voilà, tu baisses ton arme. Bah tu le dis pas non plus. Bah si je t'ai dit 28 fois, mon ami. Allez, dépoussez, vous savez comment, s'il vous plaît. Vas-y, attends, si elle a pas pointé, on pointe, hein. Vas-y. Putain, il m'entend pas ou quoi? Eh, ils servent à quoi les mecs sur le toit là-bas en fait? Pointe pas. Il y a des mecs sur le pont. Je sais pas si vos patrouilles allez voir. Monsieur, faites pas ça. T'inquiète. Il fait quoi, wesh? Wesh, c'est Shogat ou quoi? Il est comme ça en haut, il est comme ça en bas, je comprends pas. Attends, je regarde. Oh, la statue dans Kirikou là. La statue vide. Hey, tu mecs sur le toit, t'en as un qui a un tatouage tête de mort sur le crâne. Ouais, tu t'appelles comment? Très important. Go. T'es témoin de ce qui s'est passé tout à l'heure. De quoi? Attends, et il s'appelle comment, collègue à genoux là par terre? Tyler. Eh, vous deux, vous êtes témoin. Attention, collègue, il dit pas tout là aussi à lui. Non, t'inquiète. Non, mais de toute manière, tout le monde a entendu nos prénoms ici. On lui a déjà demandé de toute façon son prénom. Ouais, voilà, donc de manière. Là où on va être plus bas de toute manière. Espèce de con, merci pour les travaux. Vas-y, laisse-le. Oh, je crois qu'il te parle. Merci. S'ils s'en sortent vivants d'une prise d'otage à côté du Comico, ils sont très chauds. Venir avec moi de. Ils sont très très chauds s'ils s'en sortent. S'ils s'en sortent, tous là, ils sont très très chauds. Mais Bichou, il est très chaud en RP aussi, c'est pas nouveau ça. C'est quoi ce guetteur de bouche? Un guetteur, il est comme assez. Va voir ton dernier message Twitter, Abdes. J'ai créé ma fils 2 sur le chat de Baltrou. Banne-le de ta chaîne, je précise Baltrou. Ça n'avait pas que le policier a entendu. Merci mon ref, t'inquiète, ça va être bandef. J'irai voir sur Twitter, on va le. C'est quoi vos grandes? Officier 3 plus 1. Et l'autre? Offi 2. Les gars, je suis sûr qu'on peut s'entendre, je commence vraiment à avoir peur là, ça commence à durer longtemps, j'en peux plus, vraiment j'en peux plus, mon cœur il va lâcher. Je suis pas habitué aux prises d'otages comme ça, j'aimerais vraiment juste rentrer chez moi surtout. Oui, vraiment mon cœur il va lâcher, essayez de faire en sorte de vous entendre avec la police. Respire bien fort, ferme-la, je mets mon calibre sur ta tempe. Calme-toi, calme-toi s'il vous plaît. Cállate la boca. Est-ce qu'on peut juste rentrer chez moi? Prendo hermano. Tracassez pas, monsieur, ça va aller, calmez-vous. Perfecto. Respirez par le nez, expirez par la bouche. Attends. Tu t'iras bien. Est-ce qu'on peut juste rentrer chez nous, s'il vous plaît? Eh, toi là-haut, continue de me pointer et je vais les pointer moi aussi, tes otages. T'as compris ou pas? Moi, mon rôle. Ça va, Arturo? Sur la guardia. Mon rôle, c'est de vous abattre, vous casser, ça tire. Arturo, il te parle. C'est bon pour toi aussi, le deuxième là-bas. Arrête de pointer, toi. C'est le seul truc qui retient, hein. Bon, vas-y. De quoi? Vous savez quoi lui rendre déjà? Dommage, j'ai pas un couteau. La personne nous pointe. Si j'avais un couteau, j'aurais tenté quelque chose. Monsieur, si jamais vous tirez, ça va partir en bas de sang. J'espère mourir comme un roi. C'est quoi, pourrais-tu arrêter de pointer? Je vais être un roi ce soir. Une personne, mais vous l'obligez à ne pas rentrer, s'il vous plaît. Ce soir, nous mourrons tous. C'est pas des polices là-haut. C'est okay, le jugement dernier. Tu leur donnes son flingue, il va avancer, je t'en libère déjà un. Maintenant que je te l'ai dit, rends-moi mes 5 euros, s'il te plaît. C'est... Le jugement dernier, l'hermano, pour la fin de ta muerte. On va tous mourir ce soir. C'est toi le gars à la casquette aux cheveux roux qui sort, s'il vous plaît, monsieur. Non. Vu qu'il y a un problème. Non. Kimo, merci, tu m'as halas un chicken chica là, supplément œuf fromage. Je vais mettre de la sauce fiche, sauce algérienne dans mes frites. C'est juste pour vous que je dis ça. Peut-être que je peux même prendre un croque-monsieur à 2€. Avec son cœur et perdre un petit tiramisu Nubi. Il s'est mis dans cette merde tout seul. Nutella. Si jamais il meurt, vous perdez un otage. Il s'est mis dans sa merde tout seul. Y'a pas de problème.
C'est bon, ça va aller. Et tu fais quoi ici toi? T'as besoin d'une ventoline, non? Rien, non, des médicaments? Ça va aller, vous inquiétez pas, ça va aller, c'est bon. Un verre d'eau si possible, si vous pouvez demander ouais. Un verre d'eau au policier, j'aimerais bien. T'inquiète, je te donne une bouteille d'eau, ça va plus vite. Ok, ça marche. T'sais, tu veux que je m'écarte un petit peu? Tracasse pas, c'est juste pour pas qu'il donne la bouteille correctement, je suis pas con. C'est bon, il me l'a donné. Merci. Tu vois pas, on est sous tension, Jamado, mais tranquille. Je vais pas partir, vous tracassez pas, monsieur. Soyez pas. Y'en a pas d'autres qui ont besoin d'une bouteille d'eau? Non, j'ai tout dans mon sac. Tiens. Ok, tranquille. Personne a faim, personne veut quelque chose. Merci. Je veux juste parler. S'il vous plaît, doucement, arrêtez de me pointer. Je veux juste parler à Sandro, s'il vous plaît. Il arrive. Tu parles après. T'as pas faim, toi, à droite? Non, j'ai un peu soif, moi, par contre. Vous avez de la boisson? T'as faim, toi? Ouais, tiens. Après, faut savoir. Décale-toi la paix. Vas-y, tranquille. Attends, je me décale un peu. Et mets-toi devant moi. Merci. Si quelqu'un a faim, vous me dites, je vous l'ai. Ah, je sais pas quoi là. Santa Muerte, hermano. Regarde. Santa Muerte. Promis, t'es le premier que je vais canner. T'as compris? Quoi, mais pourquoi? Cayate la boca, tu m'as trompé, toi. Tu t'es foutu de ma gueule, hijo de puta. Mais je t'ai dit la vérité. Je t'ai dit la. En plus, toi, je te connais, toi. C'est toi, je te connais très bon, bien. Je dis rien, je dis rien. T'entends ou pas? Oui. Est-ce que t'entends? Oui, oui. C'est le silence de la mort, hijo de puta. Respire, respire. Tu vas mourir ce soir, hermano. C'est le café ou pour Boulbaba, ce reste vraiment si la fin. Sortez en vie, je sais pas. Fois, pense à et toi, tu vas le rejoindre le troisième mais... parce que j'ai pas tes sorciers, hijo de puta. Abdo! Quoi, mais ça va être à la mode. Ça va être à la mode. Abdo! Tu vas devoir certainement faire un séjour en prison. Mais il a perpétué ce que... devant la stream et pas péter sa bouche. Je le sais, mais. Attends. Voilà, je comprends pas. Fils de pute, il veut pas. Moi-même, je ne comprends pas. Il me demande deux flics contre toi. Du coup, vu que j'ai pas spécialement envie de me faire baiser contre tous, si tu fais un séjour en tôle, je te libère. Il libère un flic contre moi. Attends, il libère des flics au lieu des otages. Je donnerai pas de otages, Arturo. Ah, apparemment, tu veux pas assez, Arturo. Donc, Arturo, tiens un truc. Il pense que j'ai pas les couilles. Mais je vais te libérer. Donc, si tu te ramènes en tôle, fais-moi confiance. Attends, et nous dans l'histoire, ils veulent libérer deux keufs, mais nous, t'inquiète, t'es déjà dans la merde. Rien. Qu'on te libère. On est en plein sang, mon. Eh, la police a mon voyou là. Non, t'as compris ou pas? Et j'ai pas mon téléphone, je n'ai putain, pas. Ma soirée, mets pas tes mains dans les poches. Ma soirée, elle devait pas du tout se passer comme ça. T'as compris? Oui, oui, c'est bon. Perfecto. Oh, ce oh putain, je me suis perdu. Libéré Arturo. Ah putain. Arrête-toi. Mais qu'est-ce qu'on sait, c'est pas nous qui. C'est quoi ça? Il est sans-abri, il habite dans les tunnels là en bas, je pense. Qu'est-ce qu'il a fait comme masterclass? Oh, il habite derrière les cartons là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait comme masterclass? Il habite sans doute dans je sais pas moi, dans les égouts. Il est passé par là. Et moi je fume cette gauche. Je suis sûr qu'il a fait une masterclass de fou malade là. Je suis sûr. Qu'est-ce qu'il a fait comme masterclass, Amine? Merci Amine de pas streamer ce soir. Merci, merci. Personne va savoir ce que t'as fait, mon ref. Tu crois que les gars sont cons? Mon frère! Merci. Mais là, je vais t'expliquer un truc. Là... Arrête. Arturo va dans tôle et je vais le libérer. On en a compris que ça va mal se passer. Laisse-moi. Respire. On a rien à voir dans tout ça, on veut juste rentrer chez nous. Ramène Arturo en prison. Vous rentrez par chez vous, là, vous n'avez pas compris. On va revoir le code du truc. Ce soir, tout le monde meurt ici. C'est le bouquet final. Y a pas ça. Donc ça veut dire que là, vous voulez que ça finisse en bas de sang. Moi, je propose une alternative. On veut que tout le monde crève. C'est le bouquet final, hermano. Mais parle pas ici. Il est là-bas, celui qui dit bas de sang. J'ai rien à voir là-dedans. Prie. Je n'ai rien à voir là-dedans.
Non, je t'ai pas dit de crier, je t'ai dit prie ta grand-mère. Prie. Calmez-vous, Jésus-Christ, je vous en supplie. Prie. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. On va tous crever. Il va faire un infarctus, s'arrête. Par contre, quoi, crever ou quoi? Je n'ai rien à voir là-dedans, je n'ai rien à voir là-dedans. J'ai raison d'avoir peur, hijo de puta. Ça, c'est la merde, ça pue. Ça pue, ça. Ok. 88, tu montes, tac, tu passes à 88, t'en prie. Et là, j'ai envie de partir en courant, je vous cache pas. Personne tout le monde retourne sur la radio, les speedy, s'il vous plaît. J'ai envie de partir en courant. Ah, monsieur. Ici, je sais pas si j'ai le droit de faire ça. La radio est toujours allumée depuis tout à l'heure. RP, hein, apparemment, je sais pas. Celui que je la laisse allumée ou je l'éteins. Hein. Éteins. Le roleplay, okay. J'éteins aussi ma radio. Vous éteignez tous. On les défonce. Oh non, c'est pas ferme ta gueule. Merci. Merci, merci. Apprendra par les mots. Oh là là, cette voix, cousine. J'ai rien du tout. Aïe. Pas très intelligent tes potes. Merci, ça devait être albarré ça. T'es coéquipier soi-disant. Moi j'ai 12 balles c'est gros. C'est pas grave, écoutez. Ça nous donne encore moins envie de vous lâcher là, entendre ça. Messieurs, vraiment, il le faudra. Vous savez très bien comment ça va finir, on va tous quand mourir. On dit, quand il y a des gens qui disent on va les défoncer, ça donne pas envie du tout. Monsieur, vous... Non mais ils sont sous pression, comprenez-les aussi. Oui, la pression, je vais lui enlever la pression. Ah, enfin, bref. Je vais pas remettre le chat, mon ref, j'en ai marre, chaque message. La scène elle est bientôt finie. Les modos, vous pouvez remettre le chat normal, vous inquiétez pas, je pense que la scène elle se passe au calme. La scène elle se passe au calme. La casquette là. Pardon. Non, le mec devant moi, cette merde là. Qu'est-ce que j'ai fait? Restez calme. Tout est à cause de toi. Faire un choix, monsieur. Vous regardez après. Mais j'ai rien fait. Non, si ça doit durer encore 3 heures, ça va même durer 3 heures. Ça va ou pas? Est-ce que je peux mettre un genou s'il vous plaît? Je peux pas rester debout. Mets-toi genou. Ouais, moi aussi. Mets-toi genou si vous le désirez là. Bon. On peut s'asseoir ou pas? Oui, vas-y. Pour que on. Aïe. Les gars, je lis pas le chat juste pour pas me faire spoil. Je vous lis juste après la scène. Très bon angle de tir s'ils prennent la scène. Je bouge pas maintenant. Je suis là, j'ai envie de pisser. Je suis en train de me faire pipi dessus. Pisse sur toi, j'en ai rien à foutre. Assis-toi. Pisse. Okay. J'en ai rien à foutre. Mais tu ça va aller, boule baba, ça va aller. Voilà, ça tombe au niveau de. Non. La tête de ma mère, tu vois pas. Bois de l'eau, ta grand-mère. Tu peux tapisser à l'orange, bois de l'eau un peu. Je vais juste rentrer chez moi, j'en ai. Ne pleure pas, maintenant. Ne pleure pas, c'est pas le moment. Ok. Pleure, tu pisseras moins. Est-ce que vous pouvez les baisser votre arme, je vous en supplie. S'il vous plaît, j'ai une scoliose, j'ai mal au dos. Mais assieds-toi, ta grand-mère. Je t'ai dit, assieds-toi. Et toi, Kayette. Attention, tu as ta piste. C'est bon. Bon, et l'otage, les otages, taisez-vous là, ça y est. Calmez-vous. J'aimerais bien mettre sur les genoux. Laissez-leur. Attends, comment vous allez stresser, on va finir mort. Hein. Je vais vous le dire. Ah, je sais. Sit. Peut-être. Il faut que. Voilà, c'est bien. Ah, si, pas bouger. Je suis dans ma piste. Oui, t'es une merde, pleure pas. Pleure, ça fait du bien, pleure. On peut pas, ça sort autre part, ça pue, vraiment, ça pue. Là. Ta gueule, toi. Ok, c'est bon. Pleure, ça fait du bien. Pleurez. C'est quoi ça? J'ai entendu un briquet, là, non? J'aurais dit un véhicule... J'aurais dit de l'eau, moi. Ah, problème de démarreur. C'est ça. Ah oui, c'est ça, j'ai entendu là. C'est un véhicule qui... Oiseau là. Qu'est-ce qui fait l'oiseau là? Je peux pas démarrer là. C'est où? C'est moi, mais je suis pas l'oiseau, je pleure. C'est toi, tu pleures comme un démarreur. J'ai pas peur de... Un scooter au démarrage, c'est quoi ça? Il y a une merde, 50 cm. Je crois qu'il est froid, c'est pour ça. Je suis asif. S'il vous plaît, baissez votre arme.
Juste mon doigt il commence à glisser là, je vais tirer son bras pour les caillater. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Fermez-la. Respire, respire plus fort, je vais entendre ton souffle. Respire plus fort, je vais entendre ton souffle, vas-y. Libère-toi, libère-toi. D'ailleurs, monsieur. Voilà, il se fait prendre dans le vrai. Je vais tous mourir. S'il vous plaît, calmez-vous là, arrêtez de putain de merde. Excuse-moi, il était en train d'avoir un orgasme. Je vous mets en cellule, ok? C'est quoi la finalité du truc? Écoutez, monsieur, y'a personne qui part tant qu'on n'a pas négocié, hein? Mais nique ta mère, toi et ta négociation. Malheureusement, je vais te dire un truc. Tire, les quatre derrière tirent, meurent. Est-ce que vraiment tu veux miser que ça va tirer? Attendez, 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 faites pas l'erreur. Attendez, écoutez, regardez. Vous voulez faire quoi? Laissez partir la moto? Pointez les mecs! Pointez les otages, si ils tirent, vous les abattez! Attendez, on peut. Non. Laissez partir la moto. La moto va se faire choper. Faites pas ça. Je n'ai rien à voir avec cette histoire. La moto va se faire choper là-bas. Ne faites pas ça. La voiture monte. Je n'ai rien à voir avec cette histoire. Je n'ai rien à voir, s'il vous plaît. Je vais tirer. Non. S'il vous plaît, messieurs. Calmez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez de parler. Oh, ce billet, la manœuvre de fou. Elle passe le code ou quoi, wesh? Vous êtes encerclés, messieurs, montez dans vos véhicules. Eh ben, la voiture a passé le permis ou quoi? C'est quoi cette manœuvre de malade là? Tout en direct. Montez dans vos véhicules. Tous les quatre autres, regardez ce qui va se passer. On va faire un truc simple. Là, ils auront jamais les couilles de tirer. Ils le savent, il y a les otages. On va les faire monter dans les véhicules, on va rouler et au fur et à mesure de la course poursuite, on va libérer des otages. Tout le monde va devoir conduire un véhicule. Moi, je prends la Buffalo. Il y en a qui vont prendre ce Ranger. L'autre, la Primo. Je suis obligé de monter à quelqu'un. Il a plus d'essence, hein, le balleur derrière. Hein. Bah, on a plus d'essence. Non, demandez leur véhicule. Demandez leur véhicule, s'il vous plaît. Messieurs, j'ai bien peur qu'ils vont ouvrir le feu, s'il vous plaît. Moi, je prends de la vie. Vous mourrez. Oh, putain. Si on meurt, vous mourrez, mais si vous savez. Mais est-ce que tu crois là maintenant, et regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu penses que j'en ai quelque chose à foutre de mourir? Non, y a pas de, je fais pas exprès. Je ne sais pas, mais moi. Tu tires pas en fait. On fait comment maintenant avec le coup de feu? Putain, mais non, mais qui a tiré? Je commence à péter les plombs. Qui a tiré? Mais là-bas, il faut le là-bas. Je t'en supplie, fais pas ça. Je t'en supplie, mon doigt. J'ai rien à voir avec cette histoire. Qui est qui va devoir se calmer un coup? Arrêtez. S'il vous plaît, j'ai pas de femme, pas d'enfant, mais j'ai un pote. J'en ai rien à foutre, tu vas crever, enfoiré. Attends, calme-nous. C'est celui-là du groupe là qui arrivera pas à conduire, lève la main. C'est moi. Vas-y, tu monteras dans le Buffalo avec moi. Les deux autres, vous arriverez à les prendre dans le truc ou pas? Dans la Primo? Ouais, moi l'or. Le balleur, il a plus d'essence. C'est bon, je prends la Primo. Putain, la voiture qui tombe en panne, c'est vraiment, vraiment... Allez, timing, ça me... RP pauvre X. Oh merde, je me suis relevé. Hop, si. Merde, je voulais faire ça. Respire, ça va. Par le nez, expire par le nez. Ça va. Par le nez. Viens, surveille. Calmez-vous, tracassez pas. Surveille vite. Ah, ok, vas-y. Ça va aller. Bon, j'ai rien à voir avec cette histoire. Je suis juste venu parler du casino avec mon patron. Oh, dis pas ça, ta gueule. On sait déjà que t'es patron du casino au Boulbama. Ne prends pas pour des cons. Voilà, à cause de toi, piste de pute. Ça fait très longtemps qu'on sait que t'es patron, t'inquiète pas. Je suis pas patron, je suis... je dépanne juste. Non, c'est pas le chef. Carrément, il est au-dessus de moi dans la hiérarchie, lui, avec la casquette. Regardez sa tenue. Tu me racontes quoi, là? Mais en fait, je ressemble à Deku dans My Hero Academia. J'ai juré, j'ai fait un cosplay Deku. Trop lourd. Je m'en suis même pas rendu compte. Academia, Macadamia. My Hero Academia, ça y est. L'Académie des héros, voilà. Me faites pas chier. L'Académie des héros. C'est pas grave, c'est mieux que sortir sa pied et flaque de pisse que de mourir. C'est vrai. J'ai du mal à comprendre quand on vous dit d'arrêter de pointer. Faut peut-être qu'un de nous deux le dise radio, ça Descartes.
Écoutez, monsieur, comme on vous a dit, c'est le protocole. Quand vous nous pointez, ils vont vous pointer. Même si ma vie, elle est en danger. Depuis tout à l'heure, je pointe pas, ils me pointent. C'est bien, je comprends, mais il y en a quelques-uns, c'est des idiots, mais voilà. Soyez-en sûrs, si vous me pointez, même si c'est à l'extrême, eux aussi vont me pointer. Même si je peux mourir, ils vont me pointer, parce que c'est le protocole. Et c'est comme ça, ça changera pas, malheureusement. Et crois-moi bien que toi, là, si je dois tirer une seule balle, ce sera trop le premier. Mais pourquoi ? Faut tirer sur celui d'à côté de moi ? Ce sera trop le premier. Mais, hé hey, oh, vous, ça tirera sur personne, c'est bon, c'est bon. Ça tirera sur personne. Écoutez-moi, la police va bien gérer, ils vont pas tirer. Ça va le faire. Écoutez-moi, monsieur Masqué, honnêtement, je pense vraiment qu'il y a un gros malentendu. Ça a rien de me parler, ça me parle radio, j'entends pas. Ok, ok. Elle a juste la haine parce que j'ai des plus beaux sourcils que lui. Mets-toi, ça y est, toi tu veux mourir, toi. Arrête, dis rien. Ah, je te jure, si tu meurs, j'appelle radio, je dis que c'est un dommage collatéral, hein, attention. Pardon. Commencez pas à dire des conneries, là, monsieur, s'il vous plaît. Ouais. Surtout que tes sourcils, ils sont trop moches, ils sont trop moches. On dirait des vers de terre. Non, c'est bon. C'est juste pas à la mode, cousin, ça va être à la mode. Taisez-vous, s'il vous plaît, messieurs, calmez-vous, s'il vous plaît. Je sais bien que vous êtes stressé, mais ça ne sert à rien. Vous pouvez pas mourir, quand même. Putain, mais les négociations, ils se disent quoi, en fait ? Je comprends pas. J'aimerais bien entendre les négociations. Ça doit être... Non, on fait ça. Non, on fait plutôt ça. Non, s'il te plaît bien, on fait ça. Non, on fait ça. Pendant une heure, cousin, ça y est. Les deux personnes, elles sont pas d'accord. Trouver un arrangement qui fait que... Mais comment ça peut durer autant de temps ? Je sais pas comment ça va se dénouer. Si ça se trouve, je vais mourir, les gars. Ça se trouve, c'est je vais mourir d'un instant à l'autre, là, c'est très clairement, je vous le dis. Et Shrud, je sais toujours pas ce qu'il a fait, je sais pas ce qu'il a foutu à Mine. Parce qu'il est pas sorti de là-bas pour rien, en traversant là. J'ai qu'une hâte, c'est d'aller capter Amine, là. J'ai qu'une seule hâte, c'est d'aller le capter pour savoir ce qui se passe. Bon, je crois qu'ils ont fini, ils sont arrivés à un accord. Y a du nouveau ? Vous allez mourir. Quoi ? Quoi ? Mais non, s'il vous plaît. Vous avez dit quoi ? Parle plus fort, s'il vous plaît, monsieur, avec l'alien, le masque d'alien. Il a dit qu'on allait mourir, mais non. C'est moi qui l'ai conduit en premier. Écoutez-moi, est-ce que jamais fermez vos gueules ? Oui ? C'est le jour saint aujourd'hui, l'Herman. C'est pour ça qu'on s'est battu. C'est la guerre finale, la guerre sainte. On est là tous pour ça. Pour mourir. Je suis désolé pour vous, l'Herman. Mais vous serez les premiers. Bien. Putain, c'est pas grave. J'aurais servi mon pays, j'aurais fait ce que je voulais aimer, ce que j'aimais, et puis... Si c'est la fin... T'inquiète. Oula, pardon. Ouais, ça va pas finir comme ça. Oula. Mais moi, ça peut pas être la fin, je voulais une femme, des enfants, me marier à la plage. Mais tout le temps avec tes sourcils, ça va être compliqué. Toi, tu vas crever le premier, roi des putains. Si on pourrait pas laisser un dernier message, s'il te plaît, à nos proches. Le message que tu laisseras, c'est ton corps sans vie. C'est ça l'heure fatale. C'est ça le dernier message, Hermano. C'est ton corps sans vie. Ça sera le plus beau des messages. C'est pas très fier, ça. Moi j'attends juste que la guardia tire et je vous promets, je vais pas vous arrêter. Avant de tomber, tout le monde va venir avec moi rejoindre la Santa Muerte. Oh, c'est qui ça ? J'en peux plus. Je les avais pas vus. Ils appartiennent à la Speedy ou... Est-ce que je peux fumer une clope s'il vous plaît ? Vous avez pas une cigarette, quelqu'un ? Une dernière au moins une dernière. Ce sera pas ta dernière. Baba Berlouni a jamais dans le cœur. Ouais, hey, c'était mon meilleur perso GTA, mais je pense pas mourir, honnêtement. Comment ? Si je meurs, Balthazar il meurt, c'est simple. Il me tue pour se tuer lui, c'est simple. Je pense pas qu'il veuille perdre son perso là. Ce serait trop relou pour lui de recommencer à zéro. Moi je suis un clochard, mais lui il a monté un gang, un empire, sa mère. Moi j'ai vraiment rien à perdre. Vas-y, commence à monter dans les véhicules. Un policier, boule baba dans la Buffalo, il y en a un qui se met. Flic et casquette.
De quoi on a Big Baba Buffalo. Big Baba Buffalo. C'est quoi la Buffalo? Casquette sur moi. Sur la lune, allez. Allez, dépêche. Poyos Buffalo. Poyos Buffalo, devant. Toi, devant, dans la poche. Tu te montes tout devant. Ok, ok. Le monte devant, dépêche-toi. C'est moi qui dois monter devant, mais. Murphy, il monte devant, monte derrière. Vas-y, ok, pas de problème. Passe devant, Baba, passe arrête devant, couille là. Mais je vais devant, derrière. C'est bon, c'est bon. Calmez-vous là, Bull Baba là. Enfin, pas vous, mais bon, Baba, calme-toi, j'ai dit. Mais j'ai rien. Ça y est là. Ok, on va rouler. Ouais, j'ai fait quoi? Personne ne fait plus, on va rouler. Suivez bien mon ordre. J'ai fait quoi, cousin?